Je m'appelle Victor Gatté. En ce moment, je porte bien mon nom. Ma vie s'apprête à être merveilleuse. Dans un mois, je serai l'un des plus grands pianistes du monde. À 9 ans déjà, j'étais un petit prodige. Bravo, mon chat. Tu sais qu'un jour, tu seras le plus grand pianiste du monde. Tu gagneras le concours Tchaïkovski. Un jour, je devais me rendre à l'audition du concours national. Ce concours devait m'ouvrir toutes les portes. Je ne voulais pas y aller. Si je le ratais, est-ce que ma maman serait toujours aussi fière de moi ? Victor ! Victor ! Victor ! Victor ! Allez, viens là, on va être en retard ! Ce jour-là, la foudre s'est abattue sur la chaudière à gaz de la maison. Tout a explosé. En une seconde, je suis devenu orphelin. C'est le piano qui m'a sauvé. Si nous étions allés au concours, mes parents ne seraient pas morts dans l'explosion. Ils étaient morts à cause de moi. Ce jour-là, je leur ai fait une promesse. Une promesse qui guida toute ma vie. Je gagnerai le concours Tchaïkovski. Cette promesse, je m'apprête enfin à la tenir. Dans un mois, a lieu à Moscou la finale du fameux prix Tchaïkovski. Une fois tous les 4 ans, ce concours sacre le meilleur pianiste. Et je vais le gagner. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, tu sais, ça me fait comme l'autre jour, j'ai les mains engourdies. Tu t'entraînes trop. Tu veux pas qu'on fasse une petite pause ? Apparemment, c'est revenu. Ça va, Vic ? Vic ! Mon cœur ! Qu'est-ce qui se passe ? Mon ange ! Regarde-moi ! Essaie d'ouvrir les yeux, regarde-moi ! Monsieur Gatté ? Monsieur Gatté ? Je suis votre radiologue. Je vais tout vous expliquer. Mais là, restez bien immobile, ne bougez pas la tête. Alors, l'IRM que vous avez passé montre que votre cerveau souffre. Parce qu'un caillot empêche le sang de le nourrir. Il faut absolument aller retirer ce caillot très rapidement. On va faire ça ensemble et en passant par l'artère de votre jambe. Donc je vais vous faire la petite piqûre. Et puis tout va bien se passer. Ce qui compte, c'est que vous soyez bien immobile. Dépêchons-nous. Tout le monde est protégé, on met les rayons. Allez, on monte, on monte, on monte. Ça presse un peu au niveau de l'aine. Voilà. Alors, vous allez peut-être avoir une sensation de chaleur dans la poitrine. Voilà, on est en train de monter. Peut-être un peu sensible, ça va ? Allez, ça monte, ça avance, on avance. Tenez. Ne vous inquiétez pas, il entre de bonnes mains. On a une super équipe de radiologues. Mais ils lui font quoi, là ? Quand mon père a été hospitalisé il y a 5 ans, il n'a pas été au bloc. Ça veut dire que c'est grave ? C'est le nouveau traitement de l'AVC. Comment vous êtes rencontrés ? Ici. Ici. Vous voyez le piano dehors ? Il vient de temps en temps s'entraîner là. Il dit que les patients sont les meilleurs spectateurs. Quand ils aiment pas, ça se voit. Quand mon père a fait son AVC il y a 5 ans, il trouvait le temps long. Ça lui remontait le moral d'entendre de la musique. Moi, la première fois, je l'avais même pas remarqué. Thank you.
jouer faisait du bien à mon père. Ce qui me faisait du bien à moi, c'était de le voir lui. Il joue bien, ce gars, mais il ne te rendra pas heureux. Il est marié avec son piano. Mademoiselle ? Bonjour. Je suis le radiologue. Je voulais vous voir rapidement pour vous dire que l'intervention s'est bien passée. Bravo, vous avez très bien réagi, vous nous l'avez amené très vite et c'est crucial pour que tout se passe bien. Donc il ne va pas être handicapé lui aussi ? Les signes sont très bons, il recommence à bouger un petit peu, mais c'est un peu tôt pour dire qu'il va récupérer complètement et rapidement. Mes confrères neurologues vont maintenant s'occuper de lui. Et je peux le voir ? Pas tout de suite, mais dans quelques heures, ça va être possible. Merci docteur. Au revoir. Au revoir. Ma main bouge plus assez vite. Sois patient, le médecin dit que ça prendrait un peu de temps. Mais combien de temps? J'ai pas de temps, moi. C'est maintenant que j'ai besoin de ma main, le concours est dans 3 semaines. On le visite demain. Tu crois pas qu'il serait temps de passer à l'étape d'après? Mon cœur, tu sais, si jamais je gagne le concours, on me propose d'intégrer la philharmonique de Saint-Pétersbourg. Ça implique d'habiter là-bas. Quoi? Mais papa? Sa vie, elle est ici. Il acceptera pas de partir ailleurs. Enfin, et moi, je peux pas le laisser. Tu le sais depuis combien de temps? Tu comptes y aller seul? Réponds-moi. Ton père avait raison. Ma vie, c'est lui. Okay. Mon cœur, qu'est-ce que tu fais là? Je préfère qu'on se voit plus. It's your turn, Mr. Gatte. Please, follow me.
m'appelle Victor Gatté. J'ai été victime d'un AVC. Grâce à la radiologie interventionnelle, je continue de bien porter mon nom. Ma vie s'apprête à être merveilleuse.